Bonjour tout le monde, c'est Eti. On se retrouve aujourd'hui sur Run Simulator. Alors j'ai fait un petit réglage niveau micro parce que on m'entendait hyper fort et puis on entend mon clic de souris, c'est horrible. J'aime pas, mais j'ai vu que sur certains gros youtubeurs on l'entendait aussi. Vu que j'apprends le montage, etc., je ne peux pas tout savoir. Enfin, je connais pas encore comment bien enlever ça. Donc j'ai fait un nouveau, pas un nouveau setup, mais une nouvelle façon de parler. Le micro il est plus en l'air et plus éloigné du souris et du clavier. Et moi je suis un peu plus loin que d'habitude du micro, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. On va aller voir si nos cochons... Non, parce qu'en fait tout a été fait quand... Bah ouais, je suis bête moi. Tout a été fait quand je suis parti. On va aussi essayer de faire des vidéos moins longues. On va essayer de partir sur une demi-heure, un truc comme ça. Là, on va regarder si... Ah, il y a des ananas, oui! On va prendre les ananas, on va récolter tout ça ensemble. Toc, toc, toc. Il n'y a pas de raisin, par contre. Ah, il y a un plant qui est mort? Ah non. Tac, tac, tac. Ça fait longtemps que... Est-ce que vous pensez que l'engrais, je peux en mettre ici? Je sais pas, en fait. Je crois que j'ai de l'engrais, là. Non, c'est un truc anti-maladie. Ouais. Allez, on va retirer ça. Tac, tac, tac. En tout cas, j'espère que ça va vous. Moi, ça va bien. Il y a plein de jeux de simulation que j'ai envie de faire. Et je suis très content parce que vous aimez ce genre de jeu. Et vous aimez toujours autant Planet Zoo. Donc, ça me fait plaisir. Très plaisir. C'est du... Oui, c'est l'ananas, ça. Hop. Donc, je vais juste... Je vais quand même juste vérifier au cas où les biquettes. Là, j'ai que 2 litres. Et là... Ah bah, ok. Hop. Ok, c'est pas la peine. Merci d'avoir essayé. Est-ce que j'aurais des bouses à ramasser? Parce que ce serait bien d'avoir un peu de compost en plus. Je sais pas si vous... Non? 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 Ouais, je voulais savoir si l'engrais qu'on achetait en liquide, là, ça marchait pour les plantations. Je viens de voir qu'il y avait un autre ananas qui était fichu, là. On va aller le retirer. Tac, tac, tac. Non, c'est du raisin, ça. Ouais, je cultive l'ananas parce que je me dis que c'est... Attends, sur 40, c'est 40 sur 40. Parce que je me dis que c'est pas... Bon, c'est pas redondant, c'est pas embêtant. Et on en a pour notre argent, donc ça va. Je m'embête pas trop. Hop, on allume les lumières. Puis en plus, avec toutes vos astuces... Genre avant, je m'embêtais avec ça, quoi. Mettre tout correctement. Là, je m'embête plus. Bon, tout n'est pas fait. On va attendre que tout soit fait. Je vais pas faire ça 40 millions de fois. Et en haut, le fromage, est-ce qu'il est fait? Non, loin de là. Donc, on a du temps devant nous. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons aller... Alors, attendez. Faut que je prenne une glacière. Nous allons aller acheter les tournesols. Et aussi... le truc pour ramasser les tournesols. J'avais oublié le nom. On va prendre... Alors, est-ce qu'il y a un endroit où je peux poser ça, d'après vous? Ou alors, je vais devoir faire plusieurs allers-retours? Ouais, je vais devoir faire plusieurs allers-retours. Faudrait que je m'occupe de ça aussi, l'intérieur de ça. Hop. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'était pas attaché, hop. On l'attache, en fait on va le mettre sur le côté. Alors je vous ai expliqué pourquoi je le mettais pas à l'intérieur. Tout simplement que lorsque je fais retourner le machin, et ben ça me met sur le toit. Le comment ça s'appelle? Le véhicule. Du coup c'est un petit peu embêtant. Alors... 14 km pour aller... ah,
ça augmente. Bon, là, je vais couper, hein. Je reprends au niveau de la quincaillerie, hein, parce que là, c'est pas possible, quoi. Hop, la petite quincaillerie. Alors, il nous faut de l'engrais à tournesol. De l'engrais à tournesol. Il nous faut la machine pour le tournesol. Waouh, le dérapage. Hop. Ah, on a de l'argent, on est riche, nous. C'est une machine, ça? Non. On peut pas se faire livrer les machines. Alors, tac, 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 tac. Et c'est le boutis à tournesol. Ok, on achète. Ah, mais pourquoi tu me l'as pas mis. Je sais pas. Correctement, j'ai envie de dire. Oh là là. Alors, comment je vais faire ça, moi, encore? Hop. 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 Voilà. Et du coup, direction de nouveau à le ranch à 15 km à l'heure. Hop. Alors, quand je vous dis 15, c'était 12 km à l'heure, tellement c'était long. On va ranger ça. Et on va devoir prendre. Est-ce que la Jeep, elle est vide? Elle est trop belle, la petite maison là-bas avec les ruches et tout. Ça rend tellement bien. Est-ce que la ruche est vide? Ça, c'est. Oh, oh, il y a toute la peinture. La peinture, faudrait la mettre là-bas. Et ce serait bien de reposer les trucs d'Eric, quoi. En plus, il y a un peu de peinture. Ouais, il faut que je fasse des étagères pour mettre la peinture dans l'atelier. Oui. Et on va chercher les graines de tournesol. On va passer par le derrick. Histoire de poser les bidons. Et voir si j'ai. Hop là. S'il y a de quoi ramasser. Apparemment, j'ai vraiment de la chance que le Derrick soit là. J'ai vu dans d'autres vidéos que le Derrick était vraiment assez loin. Et comme ça, je vais en profiter aussi vite fait pour aller voir si les abeilles repopent. Oh, attendez. Ouais, c'est bon. Tac. Ça, on laisse ça là. Tac, tac, tac. On va voir si ça repop. Alors, je crois qu'il y avait une ruche par là-bas. Oh, je m'en souviens plus où. Mais je sais qu'il y avait une ruche là-bas. Là, il n'y en a pas. Et là, elle est partie. Donc, ouais, ça repop pas. Donc, faut vraiment les chercher. Ok. Je veux toutes mes ruches pleines. Donc, à un moment, on cherchera des ruches, moi je vous le dis. C'était soit le daim, soit la voiture. Je préférais la voiture. Enfin, le camping-car. Alors, du coup, c'est pas du tout là. Il nous faut qu'on aille, nous, au General Store. Pour aller planter nos petits tournesols. Les dérapages que je fais. Hop. Hop. Alors. Combien que j'en prends pour un champ? J'oublie à chaque fois. La semence de tournesol. En plus, c'est le plus cher. Hein. Alors, on va en prendre 5. Comme ça, on testera. Voilà. Alors. On m'a dit que je pouvais mettre les semences là-dedans. Bah oui, je vous l'ai montré la dernière fois.
Donc on va pas se gêner, on les met. Hop, miracle, merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Et direction la maison. Le petit chemin de terre. Hop. Tac, tac, tac. Ça, on va le ranger parce que ça fait moche au milieu et ça va gêner sûrement, surtout. On va le mettre là-bas. Et on va sortir le tracteur. Alors, faut commencer par labourer. Si je dis pas de bêtises, hop, attendez deux secondes. Est-ce qu'il me resterait un bidon quelque part? Petit bidon d'essence, voilà. Parce que je vois que le tracteur est quasiment vide. Alors, toc toc toc, ici. Ouais, ce serait bien de faire ici, de mettre des étagères, mettre de la lumière et tout. Et on mettra les pots de peinture et tout ce qui est semences, tout. Ça peut être plutôt cool. Hop, on met ça là-bas. Et on va chercher le truc pour retourner la terre. Alors, c'est lequel? Pourquoi ils sont tous bizarroïdes, là? Pourquoi ils sont les uns sur les autres, là? C'est pas moi qui fais ça, si, c'est moi. C'est moi qui ai mis ça comme ça. Voilà. Et c'est parti. Ah, on va essayer d'aller droit. Pourquoi faut que je tourne quand je... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je dois tourner comme ça. On fera les trois, ça sera plus simple, je ferai les trois d'un coup, je pense. Ah, j'ai pas fait le bout. Ah, je retourne faire le bout. Ok. Ça va trop vite là. Ok, perfecto. Non, j'ai pas fait le bout. J'appuie trop tôt. Crétinosaure. Là, il y a un bout, voilà. Et là, il y a un autre bout. Voilà. Ensuite, on va mettre les tournesols.
Alors, on va ranger correctement. Voilà, là c'est correctement voyez. Ah oui, d'accord, ok, ça roule encore. Ah oui, autant pour moi, donc c'est peut-être moi qui ai rougi de mal. Hop. On va mettre ça comme ça. Il y a quelque chose dedans? Ouais. On va vider. Donc là, oui, je vide. Je sais ce que c'est maintenant, vite. On va prendre ça. Ah ouais. Alors, semence de tournesol. Hop, on met de côté pour l'instant. Et on va planter. J'ai très hâte de voir si ça fait vraiment un beau champ de tournesol et tout. Oula, oups. J'espère que j'en aurai assez aussi, surtout. Qu'est-ce que je fais? Je faisais pas ça. Ah, je me fatigue les gens. Ok. On a la moitié du tournesol. On essaye de pas trop en mettre à côté. Je crois que de toute façon ça coule pas si c'est pas dans le champ. Je fais des zigzags, ça fait du trou, c'est horrible. Ça pousse déjà? Ça pousse déjà. Ah, je crois que j'ai rien oublié. Non, ça va. Bon, on m'a dit que l'engrais c'était pas nécessaire. Honnêtement, je vais le mettre pour finir les bidons, puis on verra bien. Parce que c'est vrai que si ça me rapporte pas des masses, je crois pas. Enfin, c'est vrai que c'est. Si la récolte rapporte pas des masses, alors qu'on achète l'essence, qu'on achète l'engrais, qu'on achète les semences. Je me dis que peut-être dans un monde ça rapporte rien quoi. Punaise, je me trompe de touche à force de faire des marches arrière pour freiner. Je me trompe de touche. Alors il y a combien d'engrais là? Le truc il est vide, ok. Je crois qu'il y en a dans le truc, on va voir.
Ouais, il y en a. Hop, voilà, comme ça on vide tout. Et on va mettre l'engrais. Ça pousse quand même vachement vite, même sans engrais, non, vous trouvez pas? Là, j'ai les plombs et tout. Oula, oula, je suis trop proche de l'arbre. Ah, c'est bon. Bah, je suis hyper concentré, je suis désolé. Encore un passage et je crois que c'est bon. Ouais, un passage sans engrais. Bah, ça sera notre notre comment on appelle ça? Notre parcelle témoin pour savoir si ça vaut le coup de mettre l'engrais ou pas, combien de temps ça pousse ou pas. On est le jour 56, 17h. Attendez, je rentre ça. Alors, donc c'est ça, c'est la parcelle du milieu, on va dire, qui sera notre parcelle témoin pour voir si l'engrais fait vraiment pousser beaucoup plus vite les parcelles, parce que si c'est, enfin les parcelles, les produits, parce que si c'est genre allez, 5 minutes de plus, vu le temps que je mets à tout faire, on n'est pas à ça près, quoi. Hop. J'ai quelque chose dedans là. Non, j'ai rien. On va voir les cochons. Il faut faire attention. Hein. Alors, oh punaise, elle est enceinte. C'est une femelle. On est d'accord, hein? Oh punaise, ouais, elle est enceinte. Oh flûte, allez. Viens. Oh la vache, combien elle m'a fait de bébé celle-là? 2, 4, 6. Oh mon dieu. Et toi? 4. Oh ouais, non mais. Oh là 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 là. Bon alors, je suis désolé, mais. Hop. Je tue pas de bébé, ça je vous ai déjà dit, mais. Bon, toi là, tu vas passer à la casserole. Tu. Hop. Je vais. Est-ce que j'attends qu'il grandisse ou pas? Oh là là. Non, après j'en aurai trop. Oh là là là. Ça recommence. Pourtant je fais attention. Enfin, je pensais faire attention. Fais voir ta bouille. Hop. Quoi? T'as resté là. Viens là, toi. Mais tourne-toi! Voilà. Non mais où? Non mais je suis. Oh là là. Ok, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces cochons? Je sais pas. Il reste.
Ouais, 5, je pense qu'il y aura assez de place. On est dans la cata encore. Je pense que je vais tuer les mères, je vais garder juste deux cochons hein, en fait. Parce que là c'est trop horrible. 19 sur 24, ouais. Là je suis popo. Yes, hop. On range ça tranquillement. Et du coup faut que je tue les... Ah, il faut que je tue. Ouais, je peux pas attendre qu'ils arrivent à maturité. Ou alors il faut que ça soit. Faut que ça soit, comment dire. Enfin, je sépare mâle et femelle, quoi. Et je tue dès qu'ils sont au level. Au level, enfin, façon de parler, quoi. Qui sont bien gras. La serre, on a vu, mais ça fait un moment que j'ai pas eu de raisin. Est-ce que je peux avoir du caca, s'il vous plaît? Ah, mais et c'est pas possible. Donc ça, par contre, si je commence à pas ranger, je vais le perdre. Voilà. Tac, tac, tac. On ferme ça. Ah ouais, non, mais et les filles, vous abusez, quoi. Faut arrêter, là. Je vois 9 par terre, là, tiens. Alors, on a une poule en plus. Ok. Ah, oh, il est sorti. On va chercher ça. 14 œufs. Et comme d'hab, on prend l'œuf. Si on se fait attaquer, c'est que c'est. Ah bah, il y avait un œuf. Ok. Ouais, faut vraiment que j'entende le cote-cote. Savoir ce que c'est. Tac tac tac. Ici. Ouais, voilà, en fait, elle se bloque là. Et elle me pond des œufs ici, quoi. Et là. On est quelques-uns. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Alors. Alors, 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 alors. Les chèvres. On va voir si c'est bon. Tac, tac, tac. Coucou. Viens ici. Je trouve qu'avec les chèvres, on s'en sort bien avec 3. Je pense pas que je vais en prendre d'autres. Mélanie, viens là, s'il te plaît. C'est la seule qui a une étiquette. Hein. Si vous voulez le nom sur une biquette, n'hésitez pas. Hein. Ouais, ça me dérange pas. Combien? 17 litres. Ok, on va laisser. Oh, il y a des boosts là. Filme. Hop. Ah, il y en avait un là. 0,75. Celui-là, il a combien? Ok. Alors, du coup, la porcherie.
les trucs des chèvres, je sais pas c'est quoi dans leur nom. Ou alors, attendez. On va recréer un truc au loin, ici. Avec vache allée ici. Et vache à machin, à viande ici. Avec un silo et un truc de ventilo derrière. Enfin, une éolienne, un truc de ventilo. Ça me tente très bien. Ouais, non, en fait, ça me tente bien. On va abattre ça vite fait. On va mettre ça de côté. Alors, j'ai la flemme, je vais pas tout construire. Enfin, je vais pas scier. On a de l'argent, donc... Donc voilà. Tac. On va construire donc une autre grange. On va la construire au loin. Faut caser un petit champ pour paître. C'est collé là? Je suis pas sûr. J'arrive pas à coller, vous y croyez ça? Ah, attendez. Voilà. Ah oui, c'était collé, ok. Et puis, la partie arrière de la grange qu'on va mettre là. Et voilà. Et donc, la porte avant sera là. On va faire un enclos carré ici. Et on va faire la même grange sur le côté pour les vaches... Les vaches... de viande. Mais d'abord, on va faire les vaches laitières. On va pas tarder d'ailleurs à arrêter parce que il se fait tard. Ouais, j'ai pas de planche. J'en ai 15. Je vais pas pouvoir faire grand chose. On n'a pas d'autres, non. Et on va peindre aussi les granges, je pense, plus tard. Ça peut être sympa. Ah ouais, il va nous en falloir énormément. Je vais devoir acheter tout ça. Ouais. C'est ce qu'on va faire la prochaine fois. La prochaine fois, on va aller acheter du bois. On va voir si la récolte de tournesol est bien avancée. Et si l'engrais a vraiment aucun impact ou un très faible impact. Donc là c'est la truc pas d'engrais. Et là c'est avec l'engrais. Ok, je vois pas de différence pour l'instant. Du coup on va aller se coucher puis en fait on va s'arrêter là. Hop. Voilà.
On va s'arrêter là et puis on va reprendre la prochaine fois. On fait une petite vidéo courte de temps en temps, ça fait pas de mal. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, on se retrouve très bientôt.